Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mardi 19 octobre 2021. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé un tirage sur l'Italie. Donc, écoutez, je me suis dit qu'effectivement, ça pouvait être intéressant de voir un petit peu comment ce qui allait un petit peu se passer là-bas, parce que ça peut peut-être avoir aussi un impact sur nous au final. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai ici la roue de fortune, l'empereur et l'as de coupe. Alors ici, effectivement, ça me parle qu'il y a en ce moment actuellement un changement qui est en train de s'opérer. Hein, il y a quelque chose qui est en train de se retourner. Alors soit on peut dire que ça se retourne contre un pouvoir, hein, une situation qui se retourne contre le pouvoir parce que, bon, ben, avec l'as de coupe, il y a l'abondance, il peut y avoir aussi pour moi, c'est vrai que souvent, ça me fait penser à la coupe qui est pleine, quoi. Mais ça peut aussi me dire qu'effectivement, il y a un retournement de situation. On a aussi, avec l'empereur, on a aussi une volonté, une détermination. Hein, voilà, on a une détermination. La coupe représentant aussi le partage, l'abondance, etc. Donc, effectivement, on a un couple qui est assez uni. Un couple, pardon. Un peuple qui est assez uni. Voilà, donc moi effectivement là ça nous donne bien le ton de ce qui se passe aujourd'hui. En contre, nous avons effectivement, ben, comme souvent ça ressort, on a le pape qui pour moi représente le gouvernement, on a le chariot et on a le roi de deniers. Alors ici effectivement ça me parle que le peuple est en train de se retourner, hein, contre un gouvernement qui est en train de devenir carrément tyrannique. Voilà, donc là vraiment c'est clair, tout est clairement exposé. Ici, alors ici avec le battleur, la tempérance et le 2 d'épée, effectivement ça peut nous dire, bah, la tempérance pouvant représenter aussi le sanitaire, moi ça me fait penser éventuellement que les nouvelles mesures sanitaires sont en train de provoquer une véritable impasse, hein, puisque le 2 d'épée peut représenter l'impasse. Donc effectivement, ces mesures sanitaires sont vraiment ne passent pas du tout auprès du peuple italien. Donc voilà, c'est vraiment ce qui domine la situation. Ici en bas, j'ai l'impératrice, j'ai la papesse et j'ai le 5 de coupe. Alors bon, l'impératrice ici pour moi ça peut représenter, hein, pareil, le peuple, hein, souvent ça peut représenter le peuple, le pays, etc. La papesse, ben, ça représente aussi, bon, quelqu'un de sage, mais ça représente aussi souvent quand même les secrets, les choses comme ça. Et le 5 de coupe nous parle souvent de souffrance, de deuil, de perte. Voilà, on a un peuple qui est en, comment dire, bon, avec les secrets qui ont peut-être plus des secrets, des décisions qui peuvent être parfois un peu douteuses, un peu pas très fondées, etc. Donc ça crée vraiment de la souffrance au sein du peuple. Donc voilà ce qu'il en résulte pour l'instant. Et au final, on a l'amoureux, j'ai l'ermite et j'ai le 8 de coupe. Donc ici, ben, ça me fait penser peut-être à des décisions qui vont finir par être avec l'ermite. L'ermite représente, bon, ça représente aussi le sage, ça représente aussi le temps, hein, donc qui quand même vont à force, pour moi ça me parle comme ça. Je pense qu'il y a des mesures, certainement les plus violentes pour le peuple, hein, qui devraient être abandonnées parce que le 8 de coupe représente souvent l'abandon. Donc voilà, moi je pense que le peuple italien va quand même obtenir gain de cause. Je dis pas que ça va se faire facilement, mais on sent vraiment dans le tirage, on sent vraiment qu'il en a ras-le-bol. Donc voilà, moi je pense qu'ils obtiendront gain de cause et que des mesures seront abandonnées. Surtout que voilà, surtout que c'est vraiment, ça provoque vraiment une impasse au niveau du peuple. Hein. Donc ça passe pas du tout. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage sera juste, hein, dit vrai. Je le souhaite pour eux, je le souhaite aussi pour nous, hein, parce qu'on prenne exemple peut-être sur les Italiens pour peut-être agir aussi bien qu'eux et voilà, forcer un petit peu
à enrayer cette machine infernale, parce que ça ne peut plus durer non plus. Là, on en est quand même à peu près à 20 mois. C'est, voilà, je veux dire, il est temps aussi qu'un grand nombre de Français se réveillent, parce qu'au bout de 20 mois, s'ils n'ont quand même pas encore vu que c'était une grosse escroquerie, là, il y a quand même un problème chez certains, quoi. Donc voilà, bah écoutez, moi j'espère en tout cas que ce petit tirage vous aura plu. Hein, n'hésitez pas avec les petits pouces vers le haut à partager, à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.